Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour un concept assez original et sympa, donc le premier sur la chaîne, donc on va être 4, Erwan ici présent qui est Indiana Pêche, Alex Fishing, Marwan et Barbecue. Allez c'est parti, je vais vous présenter les règles de la compétition, donc j'ai préparé 4 petits papiers, il y a 2 numéros identiques de chaque et ça va faire le tirage au sort pour les équipes. Donc, je te laisse tirer au sort vraiment. Là. Moi je vais prendre celui-là. Voilà, attends avant d'ouvrir. Ah je vois pas, t'inquiète. Ouais. Vas-y. Comme à Noël, faut attendre que le pépé soit levé pour les cadeaux. Allez, on tire. J'ai le 2. Ah, Team Erwan, équipe. Voilà. Ça va être j'ai le 1. Les gars. Bon, bah c'est parti. Team Beauf ici, on est là. Voilà, bon bah. Indiana Pêche et Alex Fishing ensemble. Allez, et Barbecue avec Constantin. Ouais. Hop. Voilà. Du coup, nous, on est l'équipe 1, eux sont l'équipe 2. Je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires de quelle équipe va gagner. Donc, je vais vous expliquer les règles de la compétition. Tout simplement, c'est un point par poisson sorti. C'est 2 points pour le Big Fish. En fin de session, celui qui aura le Big Fish, l'équipe qui aura le Big Fish. Et 1,5 point pour un brochet qui serait pris au leurre de surface type Frog. Bon alors c'est l'équipe numéro 1, on va présenter notre stratégie. Donc moi je vais commencer avec ma canne médium, donc en texan. Je vais passer avec un leurre souple, comme ça, peu plombé, pour descendre dans les trous et nénuphars en buzzing. Ah, et je précise, j'ai une règle que j'ai oublié de dire, le poisson est validé à partir du moment où il est dans l'épuisette. Salut, moi c'est Marwan, du coup moi c'est un coup de cœur, c'est le chatterbait, dédicace à Bastien, il se reconnaîtra je pense dans la vidéo. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà le petit leurre. Vous verrez, c'est en texan parce qu'il y a pas mal de nénuphars. Donc j'espère ne pas trop m'accrocher, on verra ça. Bon, salut tout le monde, c'est Alex Fishing, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma stratégie pour commencer cette partie de pêche, du coup, ça va être de pêcher à la frog. Donc la Kaeru Pop Live de chez Volcan Food, parce que je suis sponsor Volcan et que j'adore cette grenouille. Donc du coup, le but de cette stratégie, en fait, c'est que c'est une grenouille popper. Donc pourquoi une grenouille popper? Et bien tout simplement pour aller cibler l'agressivité des très gros brochets directement en début de partie de pêche. Parce que comme ça, bah, si les brochets ne sont pas actifs, ça me permettra de changer par la suite. Et en plus, le collègue Erwan va vous présenter sa stratégie juste maintenant, qui n'est pas une stratégie de surface et d'agressivité. Ouais, bah du coup, moi je vais pêcher plutôt en buzzing, donc là au Easy Shiner, en 5 pouces texan. Pas trop plombé, donc pour pêcher dans les trous et de nénuphars plutôt. Donc moi j'ai sorti la big bait pour vraiment extraire les poissons et éviter les décroches tout simplement. Et voilà, du coup on a deux techniques plutôt différentes. On va se compléter pour tout simplement mettre une branlée à l'autre équipe. Voilà. Le yin et le yang. Exactement. Allez, next. C'est parti. C'était l'équipe numéro 2 pour Barbecue. Trois, deux, un, top. Tut, tut, tut. Bon, j'ai les coéquipiers, premier lancé qui fait une perruque. Ça met très très mal. Ça part mal pour l'équipe 2. Déjà une perruque. Mais ouais, le but, vraiment en tout cas en buzzing, c'est de passer vraiment à balle sur les nénuphars. Et dès que t'as détroué, tu relaisses descendre, tu saccades. Surtout que là il pleut, donc potentiellement les grenouilles vont sortir, tu vois. Les garzettes. Donc vraiment je suis ultra confirmé. Moi je vais plus insister sur la gauche, je te laisse la partie droite. Moi je veux pas perdre contre barre d'écume. Ce serait un affront. Poisson. Ouais. Oui. Ouais. Oh ils ont un pic de salaud. Il est pas mal hein. Oh il a décroché je crois. Non il est toujours là, il est toujours là. La petite Kaeru Pop. Yes. Yes camarade. C'est bon ça. Putain. Le premier fiche. Bon, pas si mal hein. Il fait 70 je pense. Ouais wow, facile. Premier fiche de la session pour Alex. Mais il est tout fin. Allez, ouais, alors, à la frog. À la frog, la petite Kaeru, ça fait zizir. Yeah.
Oui, faire. Faire, oui. Oh non, oh non. J'ai attendu qu'il l'ait. Hein. Ouais, tu l'as attendu pourtant. Serre ton frein encore. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a eu une chasse. Il y en a eu plusieurs même. Oui. Non, je crois que le broc il a eu peur. Non, il est là. Oh, oh il est là. Il a l'air pas mal hein. C'était sûr. Il est là pour branler les dindons. J'ai voulu faire le malin tout à l'heure. Mais... Oh, oui. Ouais. Oh, bien joué. Yes. Hop, viens là, gamin. Oh putain, je vais le casser. Tu passes pas dans les piliers, toi. Et voilà. Et voilà. Super, sa collègue. Hybride Pike. Bien joué. Allez. Il est plus long que ce que je pensais. Hein. Super. Et ça. La Marouane va passer au Whopper. On arrive sur une zone beaucoup moins dense en termes de nénuphars. Ouais, poisson. Ah. Yes. Ah, ça te plaît. Ce sera pas le bifiche. Non. Ah yes. Ça y est, premier fish. Pour nous, il va falloir attendre un peu. On n'a pas le big fish, mais enfin, ça fait plaisir. Oisy Shiner en buzzing. Allez, on va le relâcher. On va continuer, il y a d'autres poissons sur le secteur. C'est reparti. Oh oui. Oh, Whopper, l'attaque. C'était plus dans ce calibre là déjà. Ouais. Ah ouais, ça c'était vraiment gros. Vas-y, tu vas relancer hein. Ça, vas-y, relance, relance. Oui. C'était le gros. Ouais, c'était le gros, ouais. Ouais, ouais, il est là. Ouais, je l'ai. Oh là là. Oh, ouais. Là, là, les gars, il y a gros. Ouais, il y a gros fiche là. Ouais. Ouais. Il va falloir que tu m'aides avec l'épuisette. Elle est où l'épuisette? Elle est là, elle vient sur le côté là. Par là. On va venir doucement. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Oh oui. Oh la couleur. Oh la couleur. Oh là les gars, il y a le big fish à 90. Hein. Yes. Oh putain. Ça repart bien. Bien joué mec. Magnifique brochet, on va le mesurer tout de suite. Mais il a des couleurs impressionnantes. 87. Oh. Voilà le broc que j'ai fait, il est tout simplement extraordinaire. Donc Marouane en fait, lui il est passé au Whopper juste là. Il a déclenché le poisson, j'ai insisté au Easy Shiner et au final il est arrivé dans mes pieds. Je suis repassé et il a pris mais au bord, juste incroyable. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais lui repasser un petit leurre comme ça, puis on va poncer à deux sur le secteur. Là il y a d'autres poissons embusqués. Allez c'est parti. Pour l'instant du coup vu qu'on a le big fish, on est à 3. Ok d'accord. Tu vois. Mais après là moi je recherche surtout le gros là, surtout faut lui remettre les idées en place à Constantin là, qu'il fasse pas trop le malin. Et après ils sont bien démerdés, hein. Marouane est passé, il a déclenché, il est passé derrière.
Oh non! Il était... Je l'avais. Il a attaqué comme une merde à la pose. Et il est pas si petit que ça, Alex. Après, c'est peut-être pas le même, mais... Qu'est-ce que je veux dire? Je filme ou pas, frère? Ouais. Moi, c'est les vues, il disait, ouais, pour moi, il disait... Oui! Oh, l'attaque de ouf! Vas-y. Oh, l'attaque de ouf! Mec, oh, décroché! Bien joué, collègue. Cimer. Passe devant. On repasse devant. Aïe, putain. Fiches, là. Non, j'ai hissé barré. Ah, il est juste là, tu le voyais même pas. Ah, il m'a explosé le doigt. Yo, t'es pas habile, toi. Mais non, mais il s'est retourné, il m'a mordu. Tu peux, vas-y, tu peux tenter, je vais genre lancer. C'était, mec, c'était vraiment ma hausse. Hein. Vas-y, lance à gauche, un tout petit peu à gauche. Il y a... Ah oui, il y a encore. Il y avait gros poisson. Oui. Ah oui. Yes. Voilà. Les salauds. Non mais on passait bon. Je te propose qu'on passe là. Je repasse derrière. Ah putain, il fait plaisir. Ouais, là on a poncé la zone. Putain, par contre il y a un arbre. Je sais, j'arrive pas à savoir s'il est. Il y a un beau pipe là ou quoi? Il est coincé. Ah je crois que je suis coincé. Ah non mais vas-y, il faut forcer. Ouais mais. Il y a un arbre, je suis dans l'arbre. Que ça soit dans l'épuisette hein, pour valider. Je le sens, il est toujours au bout, je crois. Et toi, avec ta big bait, tu peux pas t'accrocher au tronc et on tire tous les deux comme. Oh, il est toujours là! Il est toujours... Oh oui! Ça y est! C'est bon. Oh oui, tiens! Ah, le château! Attends, parce que. Il s'est repris dedans? Non, c'est bon. C'est bon, c'est oui. Bon. Oui! Oh, il est pas très gros! Non. Je voyais beaucoup plus gros au début. Je savais pas trop de loin, je voyais pas. Yes! Otalion. Équipe Talion Monster qui fait zizir. L'équipe numéro 2 qui repasse devant. 70. 70. Hop, ça sont 10 tout pile. Oh là. Bien d'accord. J'ai pas. Oui. Oh, oui. Oh c'est beau. Gros, c'est gros. Ça c'est gros ça. Ah putain, j'en ai mis ça. Ça régale hein. Ouais, il y a un beau fiche là, il y a un gros. Y a... Je trouve que c'est ce que j'ai tapé. Hein. Ah c'est tout. Ah oh, c'est tout. Ah ouais, je le voyais beaucoup plus gros que ça. Il m'a mis un serroche. T'as pris vite ta canaton. Et il était yes. Vénère celui-là, il m'a mis un de ses roches. Il peut, ouais. Si c'est ça. 76. 76 ouais. Alex Fishing Fit Indiana. Allez. L'équipe nature comme on l'appelle. Non mais il va me. Ah ouais j'ai eu peur. Il y a deux minutes les baloches terminées. Allez. Tiens, yes, bien joué. Un petit commentaire pour cette mi-temps là. Bah, pour l'instant c'est une matinée plutôt productive pour notre équipe. Donc la meilleure, hein, c'était vu d'avance de toute façon, vu les têtes d'affiche. Bon eux ils sont un peu mauvais, mais bon ils s'en sortent quand même avec le Big Fish. Mais bon. Pour l'instant, il y a 5,5 à 3, c'est ça? C'est ça. Oh! Ah, je peux vous dire là! Ils n'avaient pas 35. Ouais, c'était une chasse, ouais. Ah. Oh merde, mon compagnon! Non. Tu vois qu'on peut le faire, même en pêchant. Non, on fait plus. Oui. Ouais. Ah, on est sur un beau pike là. C'est bon. Ah ouais? Fait 77. Beau brochet 77. En buzzing en surface. Tu l'avais vu chasser avant. Ouais. Et on remonte à 4 contre 5,5. Allez, ça release. Putain, bien joué quand même parce que belle touche. Là, hein. Tu serres le frein comme un fou. Ouais, oh, vas-y, serre. Un peu bourré. Oh
Ouais, poisson. Yes. Moi je l'ai par contre. Et il est pas si mal celui-là. Un petit 80 hein. Je sais pas. Oh non. Oh, y a quand même un beau fish hein. Putain. Ah là là, c'est pas de chat ça. C'est pas de chat. Oh. Oh oui, si, y a un beau. Y a vraiment un beau fish hein. Oh, y a un sacré beau fish, ouais. Oh oui. J'avais dit qu'il y avait un 80. Ouais. Ça, c'est bon, gars. C'est cool, putain. Tu vois, j'ai mis le talion heal. Super broc. Yes, I. Oui, monsieur. Ah, mes lunettes, putain, le salaud. Putain, il m'a fait peur. J'ai plus d'idée. Ouais, bien joué, camarade. Wouh. Il a un truc derrière toi. Ouais, il est là. Oui, ouais, il arrive. Oh non, il s'est décro. Ouais, mais c'est la team action de ouf. Pour l'instant, ouais. Eh oui, eh oui. Eh oui, il a repris. Yes. J'ai changé d'angle. Je sais pas si c'est le même, mais. Ah, si, c'est le même. Ah, c'est pris dans les ouïes, faut pas que ça se coupe. Allez. Allez, boum. Boum. Et nous remontons à 5. En vrai, désolé, mec, c'est toi qui fais tout, mais moi, je vais faire un petit midi, je suis genre plein, quoi, surtout. T'as pas excusé, hein, je fais du bon chef. Oh. Oh, oh. Ah bah lui il s'est fait éclater hein. Ah ouais vraiment. Oh là. Si c'est une maladie ou si c'est un autre. Ah non 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 non, c'est, je le sens. C'est des chicots hein. C'est des chicots. Ouais. Oh, il s'est fait niaquer par un. Ouais, il y a du maîtré hein. Il y a du maîtré dans le secteur là. Il fait plus de 65 hein, quand même. Mais il s'est fait il s'est fait prendre en travers hein. Ouais. En travers. Toujours comme ça les gros. Ah ouais ouais, mais le pauvre. Bon, il va vite repartir. Bien joué. Merci. Ah oui, des deux côtés, bah oui. Ah ouais, bah oui, bah là. C'est sûr. Oh, allez, oh là là. Incroyable. La voilà, mâchoire du. Oh là 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 là. Je sais pas si c'est le même parce que tu l'as décroché quand même. Non, mais ouais, je l'ai décroché, mais tu sais, ici, mon gars, ils en ont rien à secouer. Hein. Ou... Oh, y'a. J'ai vu les. Dans les J'ai vu les nénuphs bouger, mec. Oh, pouf. En ramenant pas une balle, ça de la. Poisson. Tu vois ? Ah, il est pas mal, hein. Ouais, il est pas mal. Y'a un beau fish. Hein. Y'a vraiment un beau fish encore. Ah, oui, y'a un beau fish. Hein. Y'a un 80. Hein. Ah ! Yes! Ça se mesure aussi, hein? Ouais, c'est ça. Un bon gros 80, 81. La moyenne, elle est élevée aujourd'hui parce que c'est plutôt du 70 d'habitude. De toute façon, là, clairement, on a le temps de prendre notre temps et de pêcher partout. Hein. Oh, poisson! Oui, c'est beau! Oh, c'est gros! C'est gros! Mec, c'est gros! C'est vraiment gros! On en fait jamais là-bas d'habitude. J'ai pêché 15 minutes là-dedans à me faire chier. Oh putain non. Y'a beau fiche hein. Oh oui. Super mec. Yes. Bon bah super brochet là, un beau 75 que j'ai fait du coup avec le talion heal toujours, c'est le troisième de quasiment d'affilée. Enfin d'affilée j'exagère un peu mais mais ça mord super bien au talion heal là, monté sur un texan en weightless. Donc super pike, grosse attaque, ça fait 8,5 pour nous. Donc c'est plutôt cool, on va continuer. Allez, let's go. Bien super Erwan, merci. T'inquiète.
Voilà, petit changement de stratégie. Je vais passer White Jack de chez Megabass. On va essayer de passer entre les nénuphars. Donc c'est à l'heure de subsurface. Là, vu qu'il y a un petit rayon de soleil, ça risque d'être vraiment pas mal. Oui, poisson. Oh oui. Oh, le changement stratégique, tout ça est bien fait. Ouais. Ah, il est pas mal. Pas mal le broc. Petit changement stratégique payant. Bah oui, mais le truc, ça se prend voir les nénuphars. Ouais, sauf qu'il l'a coffré, mon garçon. Et il est pas mal. Ah oui. Ouais, moi, il en veut pas, mais il est petit. On a un 80, pas loin. Ouais, il rentre pas dans l'épuisette, c'est quoi ce bordel? Là, changement de stratégique. Vraiment, oh oui, il est énorme en fait. Vraiment payant. Je pense qu'on est sur un 90 là. Ah, ça fait plaisir. Là, j'enlève le leurre. Toi, t'es en haut, c'est bon? Ouais. Il fait 86. On reprend pas le big fish, mais pas loin, à 1 cm près. Incroyable. Ça repart. Yes. Bon, c'est l'heure de faire un petit bilan sur les points. Ça commence à se resserrer, ça fait plaisir. On était bien descendu, mais là on remonte à 6 points contre 8,5 pour l'équipe 2. Quand tu dis on. Oui, quand je dis on. Tu pourrais dire ça. Ouais, pour l'instant. Ah putain, je les loupe tous. Pour l'instant, mon binôme n'a fait que les louper. Ouais. On va voir ce que ça vaut après. J'espère qu'on va bien remonter. Petit changement stratégique, les gars. Donc, on va passer sur un Hurricane SB là. Donc, SB comme spinnerbait. Hurricane de chez Volken Soul. Donc, une seule palette. Sauf que la particularité de celui-ci, c'est que c'est un SB texan. Texas Rig. Donc, en gros, c'est un hameçon texan qui va permettre de vraiment aller dans les nénuphs. Et de cibler le brochat. Donc, let's go. On est parti. J'espère que ça va le faire. Poisson! Oh! Oh là là! Ah non, t'es dommage. Tu l'as en vidéo, Alex? Ouais. Oh, il y avait un petit fiche sympa là. Et voilà, la session touche à sa fin. Donc malheureusement, on s'est pris une belle branlée. Mais c'était vu d'avance. Hein. Voilà, bon bah l'équipe 2 gagne. Oui. En beauté, on va dire. On fait quand même les big fish. Enfin, il a touché beaucoup de poissons en surface, notamment à la frog, mais malheureusement au début il était sur une canne trop légère, donc t'as raté les fiches, ce qui est très dommage, mais je pense que sinon on aurait pu passer devant. Ah. Mais oui. On a quand même les big fish. Et dès si on refait le monde, En vrai on s'est régalé, des super actions en surface, des brocs qui arrivaient vraiment au bord. Bon du coup nous avec Alexandre qui avons gagné bien évidemment, on a adopté une stratégie simple dès le départ, donc lui il pêchait en surface à la frog. Et moi, plus en profondeur, toujours dans les nénuphars, mais plus en profondeur, en buzzing, mais plus sous la surface, on va dire. Du coup, avec cette stratégie-là, y a Alexandre qui a pu faire le premier fish de la session avec sa frog. C'est pas celle-là, c'est la popper. Ouais, c'est la frog popper. Alors, quant à nous, la stratégie, globalement, était à peu près similaire parce que le spot est assez spécial, c'est quand même blindé de nénuphars. Marwen, il a commencé à la frog, comme Alex. Et il a loupé beaucoup de poissons, grosses attaques. Des attaques incroyables. Et du beau broc en plus, t'avais sûrement ton record à un moment donné. Ouais. Mais malheureusement, ça a été loupé. Et moi derrière, je suis passé avec du petit Easy Shiner, très peu plombé. Et je faisais du buzzing en surface, des actions de fou. Et notamment, à un moment donné, en fin de session, j'ai changé de stratégie, je suis passé avec ce leurre-là. En bon franglais, le Ijak. Le hijack de chez Megabass et qui m'a valu le magnifique brochet 86. De 86, incroyable. En tout cas, si vous avez vraiment kiffé la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. C'est un premier petit format, on va dire, de compétition amicale.
Surtout, n'hésitez pas à aller voir aussi le boss et Alex Fishing et Indian and Pêche. Le deuxième boss. Le deuxième boss, oui, du coup. Le deuxième boss, mais un peu moins quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Des vidéos vraiment très qualitatives, des actions de dingue. Erwan vient de se lancer, donc si vous voulez vraiment le soutenir, allez voir. Et bien sûr, tu connais, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à la partager à tes potes si tu penses que ça peut leur plaire. Et si t'es pas encore abonné, franchement, n'hésite pas à passer le cap, à activer la petite cloche bleue à t'abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Moi, je te dis salut. On te dit salut, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.